Hello les gens, c'est Lozolak, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes sur Hypixel, voilà, un serveur fort sympathique. Et nous allons faire sur Hypixel un petit peu de Bed Wars, un jeu que nous aimons fortement puisque c'est très cool. Bref, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et écoutez, c'est parti. Donc du coup on se retrouve dans le magnifique, non il est pas magnifique, le lobby de Bed Wars, voilà entre guillemets. Et du coup on va tout de suite commencer la game en se stuffant un petit peu. Donc là on a notre truc pour se stuff et puis ensuite on va aller attaquer l'Eli ennemi comme ce petit joueur qui se trouve probablement là-bas. Et là-bas on a un autre joueur et là-bas on a un spawn de diamant. Que je ne dise pas non, le diamant est là, le diamant est là, pardon. Nous allons donc nous faire notre petit stuff fort sympathique évidemment. Donc ma technique c'est juste que je me fais 16 de bois, je fais un petit contour autour de mon lit, voilà, c'est magnifique. Les tutos de build de Leozolog qui sont vraiment impressionnants et voilà, et du coup ensuite je recouvre mon lit de laine et puis bah je suis bon pour repartir, écoutez voilà. C'est aussi simple que ça, mais ça marche. Voilà, du coup j'ai fini de recouvrir mon lit, bon, une protection très très facile. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer aux choses sérieuses, attention. On va se faire une petite épée, on va ranger notre petit truc d'or là-bas et puis on va aller chercher notre diamant. Bon c'est bon, finalement j'ai eu assez de blocs pour arriver jusque là, c'était un petit peu compliqué, oh, on était assez short quand même au niveau du budget de blocs, on nous a pas donné assez de blocs mais bon c'est pas grave, on a eu ce qu'il fallait. On va aller donc tout de suite avec nos magnifiques diamants aller s'acheter une petite armure parce que l'armure après tout c'est très important. Mais d'abord les épées sharpness, voilà je dis n'importe quoi, je dis qu'on allait prendre une armure mais pas du tout. Mais bon c'est pas grave, maintenant on a l'épée sharpness, on va se refaire des blocs en fait. Parce que là, on n'a pas de bloc tout simplement, voilà, hop, on se fait ça et on va aller vers là-bas. Je pense bien à refermer le pont parce que sinon, ça va être galère, hein. On se le dit, ça va être la galère. Et on va aller rush monsieur Jean-Yves Daniel qui se trouve là-bas dans la team bleu clair, voilà. Donc du coup là, on se retrouve dans un petit problème. À la base, elle est là, tu la vois la base, et moi je suis là. Et j'ai pas de... Bête destroyed. Quoi, bête destroyed? Oh là 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 là, on s'est fait casser notre lit. Bon, tout va bien, hein. Tu n'es pas gentil, monsieur. Mais, c'est le coupable d'avoir détruit mon lit. Bon, écoutez. La technique, c'est de se venger. C'est de se venger d'une manière assez méchante, évidemment. Vous vous en doutez bien, on n'est pas là pour être gentil avec lui. Surtout qu'il vient à peu près de nous casser notre lit et de réduire par 10 les chances qu'on gagne cette partie parce que ça vient de commencer et qu'on n'a plus de lit, donc on est un petit peu dans la galère. Du coup, on va se faire des laines. Parce que la laine, c'est bien. Et on va fuir tel des gros lâches pour aller attaquer les autres. Ouais, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers là-bas. On va aller détruire le lit des bleus parce que bah, c'est cool et puis que le mec est pas connecté, j'ai l'impression, donc on va en profiter. Et puis bah voilà, ce sera déjà une bonne étape. On va récupérer le stuff. Et maintenant, on va se faire... Alors, est-ce qu'on a une armure en fer? Oui, on a une armure en fer, donc ce qu'on va se faire... Ça fait beaucoup de fois faire dans la même phrase. Bref, ce qu'on va se prendre, ce sera tout simplement une petite épée en fer. Parce que c'est plutôt sympathique. Et on va se prendre aussi une pioche. Ou alors de la TNT. J'aime bien la TNT, j'aime beaucoup la TNT. On va se prendre une petite pioche également pour aller détruire des lits, tout simplement. Et puis je pense qu'on est pas trop mal. Voilà, du coup maintenant on va se diriger vers la base de l'autre qui nous a détruit notre base tout à l'heure, afin d'aller se venger tout à fait amicalement. Non je déconne, on va lui détruire son lit, tout simplement. Du coup sa base se trouve juste là, j'ai pas l'impression qu'il soit près de sa base d'ailleurs, donc c'est très très positif pour nous, on va tout simplement s'en rapprocher. On va commencer une petite session de minage tranquille, et on casse son lit. Voilà, non, parce qu'à un moment, hein, je veux bien qu'on soit méchant, mais c'est pas la peine non plus de nous attaquer, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique. Alors là, comme vous avez pu le voir, il y a monsieur quelqu'un de très très jaune et pas très très sympathique qui nous rush, hein, à pleine vitesse. Donc ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va littéralement le casser un petit peu en deux, hein, non, parce que j'ai pas trop envie que monsieur m'attaque, hein, je ne te permets moyennement seulement de m'attaquer, hein, donc tu vas te calmer, non, 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 tu vas te calmer, comment on va, qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Non, mais après, c'est un concept, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Oulala, tout va bien, hein, parce que en fait, lui, il a encore son lit, donc lui, il respawn quand il meurt, mais moi, je revis plus, hein, donc moi, c'est ma vie, c'est juste une fois, j'ai pas deux chances, tu vois, c'est ça la différence. Oh, d'accord, mes silverfish, ils ont servi à absolument rien. On n'est pas dans le mal, 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 je me le dis, mais c'est totalement faux. Oui, aïe, 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 aïe
C'était vraiment un combat totalement et pas du tout épique. Non, c'était nul, c'était très 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 nul. Hein. Donc pour l'instant, je suis assez content, on a réussi à survivre. Donc même si on perd cette game, je pense qu'on pourra se dire qu'on a quand même pas mal réussi dans le fond. Donc c'est déjà un bon commencement. Alors par contre là, il y a quelqu'un de archi stuff qui va littéralement m'exploser, sauf si l'inverse se produit. C'est ce qui s'est passé, c'est plutôt positif en effet. Et on va aller se chercher une belle armure en diamant bien brillante parce que on est sinon très très mal. Donc on va aller là, non c'est pas ici, c'est juste ici, voilà. On va s'acheter la petite armure, ça fait plaisir. Donc là on est déjà mieux, on est déjà bien mieux. On va s'acheter des popos d'invisibilité parce que c'est cool d'y aller en invisible quand même chez les gens. Du coup on va se diriger vers là-bas, on va essayer d'aller attaquer le jaune puisque là il est là-bas. Et je crois que son accès à mon île il s'est fait par là-bas. Donc si j'y vais discrètement, hein, je dis bien discrètement, j'ai moyen d'une manière assez somptueuse d'aller attaquer son lit. Du coup on arrive vers sa base, on voit déjà le pont jaune, donc là il doit être totalement en train de s'affoler parce que s'il me voit arriver, bah il se dit que sa base est à peu près déjà détruite. On va s'approcher en toute discrétion. Donc là il y a du bois, mais bon, écoutez, on va dire que c'est pas grave, on va quand même le casser en toute douceur parce que de toute manière il est pas chez lui. Et voilà, donc ça c'est déjà un point positif, on a réussi à casser son lit. Donc du coup maintenant si on le tue, eh bah il va plus revivre tout simplement. Donc déjà ça c'est un gros point positif. On a encore de la TNT pour attaquer les gens, mais bon, vu qu'on a encore de l'or, bah écoutez, on va se racheter 2-3 pommes d'or et un petit peu de TNT parce que c'est quand même vachement marrant. Le jaune est mort, ça c'est très très bien ça. J'avais pas vu ça, mais le jaune est mort, donc du coup, le combat se passe entre les bleus qui ont encore leur lit, entre les gris aussi qui ont encore le lit, et moi. Moi, juste moi. Je n'ai plus de lit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'approcher un petit peu déjà, et puis ensuite on va monter en l'air parce que sinon ça va être compliqué, il va tout de suite nous repousser. Donc on va essayer d'arriver un petit peu par là. Et le gros problème tout de suite, c'est qu'il a une base qui résiste à la TNT tout simplement. Donc ça, ça va être assez problématique pour la suite. Mais bon, on va essayer de s'en sortir sans ce petit détail. Essayer de le tuer tout à fait tranquillement. Tout à fait sereinement, oui. Hop là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de casser là. Voilà. Et là, je place une TNT. Oui, 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 on n'est pas dans le mal. Aïe, 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 aïe. Oh, dommage. On a presque cassé son lit parce qu'on a réussi à le faire exploser. Alors, je sais pas où est sa base. On va aller regarder, il est là. Malheureusement, bon, il a eu l'avantage. Son lit était là, fallait juste le casser. Mais bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Et les gens, on se retrouve donc pour la seconde game. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. On va essayer de mieux protéger notre lit cette fois-ci parce que la dernière fois, on s'est un petit peu fait, détruire notre lit trop tôt. C'était un petit peu dommage. Donc cette fois-ci, on va essayer de mieux gérer la chose, on va dire. Du coup, là, j'ai pile assez pour faire ma petite protection. Voilà, on se prend du bois et un peu de laine. Voilà, c'est nickel. On va aller se placer juste ici. Merci bien. Hop. Et du coup, on place nos blocs de manière fortement sympathique. Voilà, de manière à ce que le lit soit bien englobé, on va dire ça comme ça. Et qu'on puisse pas le détruire dès le début. Voilà, hop, comme ceci. Et on vient placer de la laine là et de la laine là. Est-ce qu'ici on peut en placer une? Oui. Et on finit par là et ici. Voilà. Du coup, on a une petite protection de lit qui devrait être suffisante normalement. Bon, même si on nous met un coup de TNT, on va être détruit tout de suite en 2-2 hein, avec une TNT. Mais bon, écoutez, c'est déjà ça de protection. Il faut toujours la TNT et puis c'est pas facile à avoir. Là, du coup, je vais aller chercher un petit peu de diamant parce qu'on en a besoin. Comme ça, on pourra avoir des épées un petit peu enchantées, genre tranchant et tout ça. Ce sera quand même vraiment plus pratique parce que l'épée de base est pas forcément oufissime. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À côté, il y a une attaque du rouge. Donc, c'est-à-dire que les rouges, faudra faire attention à eux. Ils m'ont l'air pas mal agressif, donc je pense qu'ils vont pas tarder à arriver vers nous, ça m'étonnerait pas en tout cas. Donc on va rester un petit peu sur nos gardes, on va attendre quand même, voilà, on aille le diamant, qu'on puisse faire les épées enchantées en tranchant, parce que sinon ça va être difficile pour PVP. Je regarde un petit peu derrière moi qu'est-ce qui se passe, pour l'instant ça devrait aller, voilà. Du coup on a les épées enchantées, comme vous pouvez le voir elles sont enchantées, mais on va se faire une épée un petit peu meilleure, on va se prendre l'épée en fer, voilà. Comme ça, on pourra mieux combattre tout simplement l'ennemi, parce que c'est un petit peu difficile avec une épée en bois de combattre. Voilà, du coup, je me trouve dans la base des bleus en infiltration, évidemment. On va essayer d'aller discrètement vers la base du rouge, sans qu'il me voie trop. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va aller vers le centre. Donc moi, j'ai bien bien moyen d'aller l'attaquer en vitesse. J'espère qu'il va pas me voir. Normalement, là, il m'a pas grillé. Je vais me mettre en accroupissement, comme ça, il verra pas mon pseudo. Ah, je sais pas s'il m'aurait pas vu quand même. Je pense qu'il m'a capté. Pas con. Non. Si.
Non, ah, il m'a capté, ouais. En tout cas, si avant il m'avait pas capté, là c'est sûr qu'il m'a capté. Bon, on va essayer de se le tuer. Oula, ça s'annonce compliqué. Comment faire? Hop, allez, on casse. Ok. C'est bon, tranquillement. On va essayer de faire un demi-tour. Et là, hop, on va essayer de le taper au plus vite. Ça passe. Ah non, dommage. Bon, ça va, on a encore notre lit, donc c'est pas bien grave. Mais bon, c'est dommage parce qu'on l'a laissé très très bas en vie, donc on aurait pu vraiment le tuer. Il me manque un coup à lui mettre et on est bon. Ok, bon, le bleu s'en est chargé pour moi. Même si j'ai pas eu le kill, bah c'est quand même cool parce que du coup, c'est pas... Ah là 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 là. Bon, tant pis, mais du coup, ce qui est bien, c'est que le rouge est totalement mort. Pour l'instant, je vais stocker ça là, et puis on va essayer d'aller prendre un autre chemin pour aller l'attaquer, tout simplement, afin qu'il nous repère pas, quoi. Parce que sinon, ça va vraiment être compliqué d'aller l'attaquer, je pense. Donc, on va passer par là, on va en profiter pour choper 2-3 émeraudes au passage, toujours sympa. Hop là, on va aller choper les émeraudes qui sont ici. Alors, je sais pas s'il m'a encore cramé. Ouais, il m'a cramé, quand même. En même temps, j'étais très facile à cramer, mais bon, c'est quand même dommage. On va repasser par là, on va choper toutes les émeraudes, on va se faire une petite armure en diams, ce sera plus protectant. Ça se dit pas trop protectant, n'utilisez pas ce mot, ça ne se dit pas. On va vite fait aller s'acheter la petite armure, voilà. En diamant, voilà, quelle classe. Et puis on va se prendre, voilà, Reinforced Armor, donc comme ça on sera tranquille au niveau de ça. Faire l'autre qui arrive vers nous, ça va clairement pas le faire, je vous le dis tout de suite. Donc là, je peux prendre un raccourci, c'est ça qui est bien. Alors, on lui a mis un coup. Deux coups. On va essayer... Ok, d'accord, il a placé une TNT tel un bon génie, mais ça n'a servi à strictement rien. Ok, je vais essayer d'attaquer le bleu, vraiment, même si je sais que de base, c'est un petit peu méchant de faire ça, parce que... Voilà, mais bon. Comme ça, on est good. Lui va s'attaquer au bleu, nickel. Vas-y, occupe-toi-en. Moi, je vais m'occuper de ta base, écoute. Ne t'inquiète pas, c'est cadeau, t'as pas à me remercier, je le fais gratuitement, je te détruis ta base, mais c'est tout à fait gentil. Par contre, l'ami rose là, c'est pas que quand on te dit de détruire une base, t'es pas censé le faire à moitié, t'es censé le faire entièrement, mais bon, quand même, si tu pouvais le faire correctement, ce serait sympa. Oh là, il a été tué, vite, on casse son lit, c'est bon, tranquille. On va attendre qu'il respawn. Et on va aller se le tuer. Ouïe aïe, il fait très très mal. Il est fort au PVP quand même. Je sais pas comment on va gérer ça. Aïe. Ça va être chaud. C'est bon, ouf. Maintenant, il va vraiment falloir que je me grouille parce que sinon, il y a l'autre qui va tout simplement répliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ici. Voilà. Et puis on va sauter dans le lit. Avec ce que j'ai, je peux m'acheter une petite épée, mais j'hésite. Peut-être un arc, ce sera mieux parce que lui a beaucoup joué l'arc. Donc on va se prendre l'arc. Et on va se prendre des flèches avec ça. Voilà, une petite quarantaine de flèches, ça devrait suffire largement. On a assez d'or pour se prendre ça. On va se mettre ça comme ça. Faudrait peut-être que je me prenne une pioche quand même, ce serait assez utile. Donc voilà, on va se prendre la pioche. Et on va se prendre encore quelques petits blocs, comme ça on pourra aller tranquillement l'attaquer, le petit zigoto là-bas. On va essayer de le tuer à l'arc. Ah là là, c'est compliqué de viser... Bon, il est à 1 HP, donc normalement, on peut aller se le descendre assez facilement. Voilà, on va... Oh là 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 là, comment on va faire? Il a de l'obsidienne, mince. Ça va être compliqué, ça. Il est très très bon à l'arc. Si je dois lui faire un compliment, c'est ça. GG pour tes capacités de tir à l'arc, parce que il est fort là-dedans. Il est très très fort à l'arc. Y a rien à dire là-dessus. Sur ses talents d'archer, vraiment, on peut pas le critiquer en soi, parce que lui n'a rien à se reprocher là-dessus. Mais bon, écoutez, oh là 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 là, ça recommence, allez, plus vite que... Il a plus de lit? Depuis quand il a plus de lit? Mais, fallait me le dire, c'est que t'avais plus de lit, abruti. Où est son lit? Ah, il était là, d'accord, je me disais aussi qu'il avait un lit. Alors, comment on va faire? Ok, on est dans la base, on va essayer de l'attaquer. Allez, à l'épée, normalement il peut rien faire, il est pas très très bon à l'épée. Hop, et voilà, nickel, victory, voilà. Une belle victoire quand même, même si l'autre aura pris du temps à tuer. Donc voilà, on s'en sera bien sorti. Donc voilà, c'est une belle game. Du coup les gens, c'est après ce combat interminable à l'arc que j'ai envie de vous dire que la vidéo est terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ne serait-ce que pour mon paresseux Pedro. Où est-il Pedro? À la recherche de Pedro.
Où s'est perdu Pedro? Monsieur Pedro? Ah, il est là, évidemment. Voilà, donc mettez un pouce bleu pour Pedro parce que c'est stylé, voilà. Et puis du coup, moi, je vous dis à très très bientôt, les gens, pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien jusqu'à celle-ci. C'était Léo, à votre service. Ciao, ciao.